J'ai intégré TSE à la suite d'un échec au concours de médecine. Je voulais me réorienter en droit parce que j'hésitais entre droit et médecine en terminale. Et j'avais déjà choisi la faculté de Toulouse pour la qualité de son enseignement en droit, pour lequel elle est assez reconnue. Et en me renseignant sur les différents parcours, j'ai découvert la double licence économie et droit de TSE, qui donc débouchait sur le double master Economics and Competition Law. Et ça m'a intéressée, je ne connaissais pas grand-chose ni en droit ni en économie, donc je me suis dit bah, pourquoi pas, c'est un peu par hasard. Et puis après, j'ai vraiment adoré ce double cursus et j'ai continué par choix. TSE est une école très agréable où les professeurs et l'ensemble du personnel administratif en général est très disponible quand on a besoin d'aide, ce qui aide à l'adaptation quand on arrive surtout. Et puis de toute façon, les cours sont faits de telle sorte qu'en première année, on est très encadré, donc ça ne change pas trop par rapport au lycée. Et on gagne de plus en plus en autonomie jusqu'au Master 2 où on est plus ou moins indépendant, mais toujours avec les professeurs qui sont là quand on a besoin, donc l'adaptation est facile. Alors, j'ai beaucoup aimé, donc, comme je disais, la double licence et le double master économie et droit. Et ce que j'aime particulièrement, c'est le fait qu'on ne travaille pas que sur une matière scientifique, surtout que l'économie est vraiment travaillée par le biais des maths à TSE, ni sur une matière, enfin sur une discipline totalement littéraire, puisqu'on fait les deux, notamment dans le double master, où à la fin, on combine vraiment le droit et l'économie et on travaille les deux ensemble. Et c'est quelque chose de très intéressant, parce que les deux disciplines en fait se complètent très bien et répondent à la même logique d'une démonstration sous contrainte de règles immuables qu'on doit respecter. Et ça, c'est très stimulant intellectuellement. Donc j'aime beaucoup le double cursus et j'ai beaucoup aimé mes années à TSE. TSE est une école très agréable, il y a de beaux bâtiments, les moyens mis à notre disposition pour étudier sont nombreux. Il y a la bibliothèque, il y a les services administratifs, il y a les restos universitaires, le BDE, etc. qui sont bien rassemblés. La particularité de notre cursus, c'est qu'on a des cours à la fac de droit et à TSE, donc même si c'est proche, ça nous amène à beaucoup bouger, mais c'est pas, enfin, on s'y habitue. Et sinon, Toulouse est une ville très agréable, très dynamique, très jeune. TSE est juste à côté du centre-ville, donc c'est idéalement placé. Et il fait bon vivre à Toulouse, quoi. Comme la plupart des étudiants de notre master qui nous préparent spécialement au domaine du conseil en concurrence, je me destine donc à ce domaine-là, soit dans les autorités de régulation, comme par exemple l'autorité de la concurrence, voire la Commission européenne, ou les cabinets de conseil en concurrence, voilà, dans ce domaine-là. Alors le bien commun ou l'économie du bien commun fait tout de suite penser bien sûr au livre de Jean Tirole, qui est un peu incontournable à TSE, mais aussi à la devise de l'école. Et puis plus particulièrement pour notre master, donc spécialisé en concurrence, ça me fait appel au conseil en concurrence où on doit défendre les intérêts de l'entreprise sous la contrainte de la protection du consommateur et donc des règles de concurrence, enfin du droit de la concurrence. Et donc on a un peu la position qu'on voit dans les cas pratiques, dans les exercices pratiques de TSE, de régulateur bienveillant qui va chercher à maximiser le surplus ou le bien-être commun et pas le bien-être que du consommateur ou que du producteur. Et ça me fait penser à ça et c'est très intéressant comme exercice.